Inspiration chassidique du jour 21 Cheshvan. La résurrection des morts. Ça nous paraît une idée complètement surnaturelle. Comment est-ce que un mort peut ressusciter des décennies, des siècles, des millénaires après son décès? Le pouvoir de l'infini, de Dieu lui-même. Dieu peut tout faire. Or, il faut savoir qu'en réalité, la résurrection des morts n'est pas uniquement quelque chose qui se produira au moment de la Géoula, de la rédemption finale. C'est quelque chose qui existe déjà dans notre quotidien. Certes, pas dans son sens premier d'un mort qui se revient à la vie, mais quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Vous voyez, nos capacités intellectuelles, avec toute leur brio et toute leur force, sont très très froides. Elles n'ont pas d'émotion. Elles ne s'émeuvent pas des choses. C'est ainsi que le cerveau de quelqu'un peut comprendre une idée très profonde et rester complètement indifférent à cette idée, aussi extraordinaire qu'elle soit. Pour faire vivre une idée dans le cœur d'une personne, cette personne a véritablement besoin d'une résurrection des morts. Le mort qui est à l'intérieur de lui, c'est sa tête, c'est son cerveau qui est froid, qui est cartésien, comme on a l'habitude de dire. Or, il faut faire vivre le mort, il faut que son cœur rentre en action. Ça, c'est quelque chose qu'un juif accomplit à travers de la tefila, à travers de la prière. Car c'est la prière qui met et qui relie les idées qu'on comprend dans la Torah, les concepts de chassidut qu'on étudie auparavant, et les font rentrer dans le cœur, afin que le cœur devienne rempli et s'anime de ces idées-là, s'enflamme de ces idées-là, et c'est ainsi que l'esprit et le cœur ensemble font le service d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Kol Tov. Thank you.